Alors bienvenue et merci à vous tous pour votre présence pour l'ouverture de ce troisième salon du livre d'artiste et de la création éditoriale Matière à lire, poésie à tout, qui nous réunit ce soir autour de Michel Butor et de ce projet un peu fou que nous avons baptisé la Maison du livre d'artiste. La Maison du livre d'artiste a pour but, 1. Tout d'abord, de constituer progressivement le fonds Michel Butor de livres d'artistes. Aujourd'hui, ce sont près de 700 œuvres d'art que nous conservons, réalisées avec quelques 135 artistes. La Maison du livre d'artistes a pour but également de diffuser ces œuvres d'art et de poésie auprès d'un public toujours plus large, ici et ailleurs. Donc le café littéraire de Lucinge, qui existe depuis déjà 10 ans, a un grand plaisir de participer à ce salon en invitant la poésie. Bienvenue déjà. À la Maison du livre d'artiste à la mairie de Lucinge, on a près de 700 livres d'artistes qui sont en cours d'inventaire. Et on a initié une collaboration avec la Tarlatane, qui est un groupe de graveurs qui fait partie de l'école des Beaux-Arts du Genevois. Ces dames sont des spécialistes de la gravure parce qu'elles pratiquent. On va ensemble vous présenter des livres issus de ce fonds, qui donc est en cours de constitution. Ce sont des livres qui ont été faits par Michel Butor avec des artistes à chaque fois différents. Et en tout cas, ce sont des livres de dialogue qui font toujours intervenir un plasticien, qu'il soit graveur, peintre, photographe, et un écrivain. Voici un moment particulier de lecture publique qui vous est offert par les Bouillons de mots, atelier d'écriture de Saint-Julien. Ce sera donc une lecture des textes qui sont exposés ici, textes qui ont convolé avec les gravures de la Tarlatane. Avec leurs bourgeons devenant des fleurs, tous ceux qui se dressent dans ces solitudes se tordent les bras comme des statues de la damnation. Le vent qui se lève dans les soirs d'hiver les fait murmurer comme des fantômes secouant leur chair. Leurs gémissements et leurs craquements sont interrompus par les explosions des bombes. Alors ils fleurissent en bouquets d'écharpe, ruisselant parfois de fange et du sang sur le sol gris.